Poussongling, les contes extraordinaires du pavillon du loisir. Histoire numéro 50. Noble souris. Yang Tianhi m'avait raconté. Je vis un jour deux souris qui se promenaient. L'une d'elles fut happée par un serpent. L'autre, dardant des yeux pas plus gros que grains de poivre noir, semblait gonflée de fureur tout en se tenant à prudente distance sans oser approcher. Le ventre plein, le reptile regagnait son repère en rampant. Il y était engagé plus qu'à moitié lorsque la souris se précipita en avant et le mordit sauvagement à la queue. Le serpent, irrité, recula pour ressortir. Mais la souris, qui avait l'avantage de la rapidité, s'était enfuie. L'ophidien retournait vers son trou sans l'avoir attrapé. Il y était entré quand le rongeur revint l'attaquer de la même façon que précédemment. Le manège se répétait inlassablement. Chaque fois que le serpent pénétrait dans son trou, la souris revenait le mordre et s'écartait quand il ressortait. De guerre lasse, le reptile recracha la souris morte. Sa compagne vint la flairer, poussant de petits gémissements comme pour pleurer un cher disparu. Elle l'emporta dans sa gueule. C'est en son honneur que mon ami Zhang Liyou a composé la ballade de la noble souris.